Moi je trouve que ça a été un gros match aujourd'hui. Les Lyonnais nous ont proposé beaucoup de combats, ils ont bien joué au rugby. En première mi-temps on a été en difficulté, on était contre le vent, je crois qu'on s'en sort à moins 13 à la mi-temps. On voit qu'on a des occasions quand même en première mi-temps qu'on n'arrive pas à mettre au fond. C'était compliqué de jouer contre le vent, on n'arrivait pas à sortir chez nous. Après à la mi-temps on a dit qu'on se mentait, parce qu'on avait dit qu'on allait mettre beaucoup de combats en première mi-temps et on l'a pas fait quoi. Et en seconde mi-temps on est arrivé à de suite les mettre sous pression et marquer ces essais qui nous ont fait vraiment du bien pour revenir au score. Voilà, Lyon a fait un très gros match cet après-midi et c'est vrai qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes. La pièce a tourné pour nous, ça aurait pu tourner pour eux aujourd'hui. On est très content d'avoir gagné et on va vite retourner au boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger je pense sur ce match. Je pense que c'est régulièrement les buts du début de saison à domicile sont compliqués. Encore ce soir. Bon, on a pris 4 points, c'est le principal. Hein. Faut retenir la victoire. De toute façon, c'est un championnat qui sera très compliqué, comme chaque saison, de plus en plus. On voit que le week-end dernier, à domicile, toutes les équipes ont eu très chaud, mais la plupart ont perdu. Donc, pour notre premier match à Pierrefitte, on va se satisfaire de la victoire. Voilà, au moins, on voit tout le travail qu'il nous reste à faire pour être au niveau de ce beau top 14. On a raté le premier quart d'heure, où Lyon nous a mis sous pression le premier quart d'heure, ou les 20 premières minutes. Puis après, à partir de là, le match de la première mi-temps, c'est très équilibré. On est à 0-6, on a deux, voire trois situations en première mi-temps où on peut marquer. On n'est pas très réaliste sur le match, en tous les cas. Et après, il y a ce ballon porté à la fin où il nous passe à 13-3, puis 16-3. Après, en deuxième mi-temps, on fait 20 minutes de très bon niveau, où on marque, on est efficace, puis après... Voilà, on n'arrive pas à passer devant, on laisse 16 points au pied. Donc 16 points au pied, un ou deux essais qui traînent mal par là, eux aussi d'ailleurs, hein, notamment sur ces 20 premières minutes. On aurait pu perdre le match. Sur les 20 premières minutes, on peut perdre le match. Après franchement, le reste du temps, on a 65% de possession. Donc voilà, donc je suis très content du match.